Cela fait 11 mois que Johnny Hallyday est mort. Et ses amis ont encore beaucoup de choses à raconter à son sujet. Le 14 novembre, ce sera au tour de Pierre Billon de sortir un livre hommage à sa longue histoire avec le taulier, Johnny, quelque part un aigle. Celui qui a partagé le dernier repas de Johnny Hallyday raconte l'homme qu'il a connu et côtoyé durant de très longues années. En étant l'un de ses amis proches, Pierre Billon a également connu les différentes compagnes de Johnny Hallyday. Dans Gala, il s'est notamment souvenu d'un drôle de souvenir avec Nathalie Baye. Nathalie est quelqu'un avec qui j'avais de très bons rapports au début, explique-t-il d'abord à nos confrères avant de souvenir d'un dîner. Ce soir-là, l'actrice lui parle de Lumière d'eau, un livre écrit par Tennessee Williams selon elle. Mais pour Pierre Billon, c'est plutôt William Faulkner qui a écrit cette œuvre. Comment tu peux savoir ça ? S'agace alors Nathalie Baye. À Gala, Pierre Billon se souvient qu'ensuite elle a voulu vérifier qui de deux avait raison. Vexée, alors qu'il n'y avait pas les portables, elle a été téléphonée pour savoir si j'avais dit une connerie ou pas. Évidemment, quelqu'un lui a dit que je n'avais pas dit de conneries. Mais ce jour-là, je me suis dit que je m'étais grillé, se souvient-il. Et pour Pierre Billon, c'est à cause de cet épisode qu'il a été mis de côté par Johnny Hallyday pendant quelques années. Mais pour autant, il n'est ne veut pas à Nathalie Baye, comme il l'explique à Gala, bravo à elle, parce qu'elle a fait rencontrer à Johnny un nouveau public, une certaine intelligentsia parisienne. Elle a bien fait, je ne suis pas revanchard.